en tout cas que je vous ai pas trop fait peur. Enfin, en vrai, si vous avez eu peur à cause de ça, les gars, vous allez vraiment être effrayés pendant le reste de la vidéo. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des endroits sur Google Maps qui sont vraiment chelous. Genre où il se passe des choses où tu te dis potentiellement le monde part en couille. Même si ça, vous le savez déjà. Si vous kiffez ce nouveau concept, n'hésitez pas tranquillement à lâcher votre petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. Et on commence directement. Donc là, c'est des gens sur TikTok en gros qui ont découvert des choses dans Google Maps qui sont vraiment effrayants. Donc là, on commence avec. Wouah. Attends, parce qu'il faut qu'on se la remette là, c'est vraiment creepy. Ça c'est dans Google Maps les gars, c'est des trucs que vous pouvez trouver hein. Donc là il y a un vélo, une petite bicyclette, il y a du sang. Et là il y a un enfant tout en rouge. Ah il se balade. Genre bouh. Cette vidéo est sponsorisée. Les amis, est-ce que vous êtes déjà demandé comment gagner de l'argent facilement? Oui, tout le monde s'est déjà posé la question. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui j'ai la solution. PinCon, c'est quoi? Tu prends ton téléphone, tu lances l'application et c'est bon. Je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, je prends des lunettes cool. Imaginons par exemple, t'es dans ton canapé, t'es en train de rien faire, t'aimerais avoir un peu d'argent pour par exemple commander à manger, une petite action comme ça, dernière minute, comme de commander un burger ou un truc comme ça. Grâce à PinCon, tu peux. Dans l'application, vous répondez à des sondages, vous donnez votre avis sur des marques ou des produits pour gagner des points et obtenir des récompenses en cash. Avec les lunettes, j'ai l'air mille fois plus crédible. Il existe même des opportunités pour tester directement les produits ou les évaluer. Une fois que vous avez des points, après avoir répondu au sondage ou aux questions, vous pouvez les échanger contre des cartes cadeaux, contre de l'argent en dépôt direct ou même contre d'autres produits. Ce matin, ça m'a pas pris beaucoup de temps, genre quelques minutes, et j'ai pu répondre à un sondage et gagner un peu d'argent. Donc c'est parfait. Si vous êtes intéressé parce que vraiment, je trouve que c'est une super idée. Mon lien en description est une invitation pour vous inscrire. Alors, vous attendez quoi? Allez dans la description! C'est le moment, les gars! Merci en tout cas de sponsoriser la vidéo et on commence dès maintenant. Les gars, c'est clippy à mort. Mais attends, mais genre, son droit là existe, ça fait peur. Mais là, par contre, je suis choqué, hein. Je m'en passe, c'est les 15 premières secondes de la vidéo, je suis déjà pas bien. What the fuck is this place? C'est tout plat? Attends, je comprends pas. Puis là, il y a des avions. Ouais, non, voilà. Ça, j'y crois moyen. Genre, une guitare géante qui est plantée en plein milieu de l'océan. J'y crois moyen. Je suis désolé, les gars. Je suis très naïf, en d'habitude. Hein. Attends, on dit naïf ou naïve? Quand t'es un mec, tu dis naïf. Feu, comme la maïf. Moi, je suis très naïf, mais pas à ce point-là. Là, une guitare en plein. Mais non, mais ça aussi, gros. C'est pas possible. Ça, c'est du fake. Ça, c'est mille fois trop fake. Les gars, ici, elle avait pas besoin de débunker un fake. C'est clairement fake. Ok, là, c'est le vrai, ok. Ah, je m'attends au pire, gros. Le Jawa Barat. Déjà, qui connaît le Jawa Barat? Même. Putain, mais c'est tellement immense la planète Terre quand même, on ne réalise pas. Quelle est une rue? Est-ce qu'il va liker mon adresse? Ma fameuse résidence secondaire au Jawa Barat? Ok. Oh, putain. Les gars, ça c'est pas bon, arrêtez! Non mais faut pas me faire peur comme ça, les gars. D'habitude, j'ai des idées lumineuses, mais là, clairement, c'est pas l'idée la plus intelligente d'avoir fait cette vidéo. Vraiment, je kiffe le concept, mais ça fait vraiment peur. Parce que ça, en gros, ça veut dire basiquement que c'est des endroits dans le monde. Google Maps, ils font pas gaffe à ce qu'ils prennent en photo. Juste, ils se baladent. Donc ça veut dire qu'il y a une fois un mec de Google Maps, il est passé devant ça. Hein. En plus, c'est de Google Maps 2019, donc c'était pas si longtemps. C'est toujours dans des maisons bizarres à des endroits qu'on connaît pas. Hein. Tout va bien. Là, on est où? Là, c'est la Russie. Oh, il y a une meuf qui. Elle fait peur un peu. Mais en même temps, une mamie russe, elle fait forcément peur. Hein. Genre vraiment. Hein. Elle a deux doigts de sortir soit de la vodka, soit une AK-47. Genre, c'est vraiment ça. Hein. C'est la Russie, elle est à pur. Wesh, mais elle a une hache et tout. Mais attends, mais elle avait fait un. Elle a tué quelqu'un? Je comprends pas. S'il y a un truc là, mais on dirait un chien qui dort. Donc, je suis pas complètement sûr en fait. Ouais, non, c'est clairement elle. Genre, si vous devez trouver un coupable, c'est elle. Passez-lui les menottes. Passez-lui les menottes, s'il vous plaît. Désolé, mamie gâteau. Bah, tu feras des gâteaux en prison pour tes collègues de cellule. Voilà. Allez, alligato. Salut. C'est quoi ça? Ouais, c'est un lapin, quoi. Ah, c'est pas le lapin qu'on veut regarder? Quoi? Genre, comment? Non, mais les gars, un lapin, ça saute haut. Mais pas autant, wesh. Genre, là, c'est vraiment abusé. Mec, c'est à la limite, c'est le lapin, il vole pas. Ok, là, on est où? Ok, là, 42-40-40. Et je sais pas sur quoi on va tomber, les gars, j'ai peur. J'ai peur, les gars, j'ai pas envie de dingue. Y'a quoi? Pourquoi? C'est trop bizarre. En vrai, je me dis, la Terre, elle est tellement grande. Il y a tellement de gens sur Terre. Je crois qu'on est combien actuellement? Je crois qu'il y a un truc en temps réel, attends. Actuellement, les gars, on est super proche des 8 milliards d'habitants. Là, actuellement, on est à 7 milliards 900 millions. Mais regardez, là, chaque seconde, on prend moins une ou deux personnes. Hein. C'est énorme. Genre, juste aujourd'hui, il y a 26 millions de personnes qui sont nées. Ah non, cette année. Ah putain, je me suis dit, ouais, c'est quand même beaucoup aujourd'hui. Ok. Godzilla Slide. Donc là, à Skip, il y a Godzilla. Mais Slide, c'est pas genre pas les slides de Kanye West, là, il est easy. Genre, c'est Godzilla qui met des chaussures. Qui met des easy. Ah.
Ouais, mais ça c'est bon les gars. Ça c'est sûr, c'est pour un décor d'un film ou quoi. Genre c'est normal, ça c'est pas flippant. Tout va bien, tout va bien. Regarde-moi dans les yeux. Tout va bien, t'inquiète pas. Voilà, tranquille. Voilà, je te gratte un peu le cou. Et maintenant tu regardes la vidéo, bâtard. Les gars, c'est parti. Ok, là c'est le désert. Dans le désert, tu peux vraiment tout trouver, je pense. Hein. Je pense que c'est ça, tu trouves vraiment rien, mais quand tu trouves un truc, c'est énervé. Genre là c'est quoi? Ce serait pas un cimetière d'avion? Ça existe souvent ça. Ouais, y a que des conteneurs. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi là c'est flippant. Ah ok. En fait c'est parce que ça a été pris juste avant une méga grande tempête de sable. Plus forte que la ceinture de la daronne. Les gars, je préfère là je me prends un coup de ceinture qu'un coup de sang. Ça a l'air de faire vraiment mal hein. Genre là ça a vraiment pas l'air gazo du tout hein. Mais c'est quand même assez incroyable. Et j'en veux d'autres les gars. Avouez c'est fou. Alors attendez, j'avais cherché un peu. D'ailleurs j'étais tombé sur ça. 50 trouvailles insolites sur Google Earth. Donc là les gars je vous mens pas, on va juste la garder en ziac, mais il y a quand même des trucs stylés. Par exemple là il y a un cimetière d'avion. Là il y a aussi un dessin missile dans le désert. En plus c'est à la mer Rouge en Égypte, donc c'est pas si loin de chez nous. T'es mal le dessin. T'es mal comment il est vraiment chelou par contre. Ce dessin là il est vraiment très très bizarre. Là il y a un bâtiment en forme de croix. Mais c'est sérieux? Genre il y a aucun architecte qui s'est dit que faire cette forme là c'était chaud. Genre il y a aucun architecte qui s'est dit il y a un problème. Tout va bien. Un troupeau de bisons. Bah là il y a rien d'anormal les gars. Un triangle géant. Ah mais non mais là c'est tranquille. En fait c'est juste. Ouais non c'est bizarre. Non en vrai on dirait juste qu'ils ont voulu faire une route, mais ils se sont trompés dans les plans. Et du coup ils ont fait une route en triangle, mais ils ont oublié de créer la ville à côté. C'est comme quand tu débutes dans SimCity, tu crées des trucs pour. Tu sais pourquoi? Mais je pense à c'est l'homme qui l'a créé. Moi j'attends juste de voir des avec les aliens. Ah ouais. Ça c'est au Canada, regardez. Là on dirait totalement une tête. Genre juste là on dirait des yeux. Là il y a un nez, une bouche. Trop bizarre. Non genre ça existe. À Dayton, c'est presque Rayton. Il y a le logo de Firefox en plein milieu. Non mais j'y crois pas. Attends, on va essayer de mettre cette adresse là et on va voir si c'est vrai. Ok les gars, let's go. À skip c'est là hein. Mais c'est bizarre, on voit rien. Ah c'est le même endroit, regardez. Là on reconnaît la route. La route en T, c'est la même ici. Je sais pas quand cette image là a été prise, mais je pense que c'était il y a longtemps. Regardez, là tout est jaune et tout. Alors maintenant c'est devenu grave vert. Mais du coup c'était juste là, genre en Oregon. Ah c'est pas mal la Californie ce style. Une forêt en forme de guitare, ça par contre je suis sûr c'est les humains ils l'ont fait, mais c'est fait exprès. Ça doit rendre hommage à genre quelqu'un qui fait de la guitare. Mais c'est stylé de ouf hein. Un lac en forme de cœur, ça c'est pareil, je pense que c'est fait exprès. Une cible géante, ça commence à me faire peur. Venez, on retourne voir des trucs horreurs comme ça. Là on est où? J'arrive pas à savoir où c'est. C'est pas près de Singapour là? Ça doit être vers oula. Ouais. Oula. Oula. Wesh. J'avais pas calé la sirène. Je pensais qu'il y avait le monstre d'Inox Tag derrière. Mais il y a une grosse sirène. C'est énorme. C'est la sirène d'Inox Tag. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non mais par contre genre c'est méga stylé. Mais comment quelqu'un a trouvé ça? Genre faut vraiment beaucoup se faire chier quand même hein. Ok donc là on est vers le désert. Et si tu te cales, tu vois quoi? Chelou, tout va bien. Moi je pense que c'est des gens qui font exprès. Quand ils savent qu'il y a la voiture de Google Maps qui va passer, ils se mettent là et essaient de faire peur à la voiture. Moi je suis sûr c'est ça hein. Je crois pas qu'il y ait des gens aussi allumés que ça mentalement. Quoique. Ok, what the fuck. Attends, genre Google Maps, tu peux rentrer dans la maison des gens. Genre là ça se trouve, je peux aller voir ma maison sur Google Maps et rentrer chez moi. Je vous mens pas, ça me fait pas peur, ça me fait juste quand même en délirer. Je veux trop aller au restaurant avec des pigeons. Et vous pensez que quand ils mangent, ils picorent comme ça, ils font. Ou est-ce que vous pensez qu'ils enlèvent le masque? Ou est-ce que vous pensez qu'ils lèvent le bec, ils mettent tout dedans dans le gosier et après ils l'avalent? Je sais pas du tout en vrai. Hein. Y a trop de questions qui se posent, mais pas du tout les questions flippantes. Mais y a quand même beaucoup de gens qui ont découvert pas mal de trucs creepy, hein. Ça fait peur. Hein. Non mais ça c'est tranquille. Ça c'est tranquille les gars, c'est juste mon cousin, il aime beaucoup Star Wars et il est en train de jouer au maître site. Faut pas chercher. Genre tranquille. Mais c'est quand même grave stylé hein. Là il va où? Là il est dans le carré, le plus gros carré, ils font que d'aboyer. Ah c'est la cité Banks. What the fuck? Bon lui il allait préparer un braco. Mais clairement il fait méga peur. Il est très prêt pour Halloween. Tu vois celui-là par contre je pense pas qu'il a été fait exprès pour faire peur à Google Maps. Mais il fait très peur. Moi je pense là il s'est chaud pour un braco. Franchement même si lui il me propose un 10 balles, je dis non. Eh mais c'est sûr en vrai, Google Maps ils sont passés tellement de fois partout dans le monde. Je suis sûr en vrai même toi ou moi, on est dans Google Maps et on sait même pas. C'est obligé. What? Ça fait peur. Ça, je vous mens pas, je suis pas bien. Des petits bébés égorgés, même en poupée. En réel ou en poupée d'ailleurs. Dans les deux cas, je ne m'approche pas de vous. Là, c'est trop le diable et tout. Et l'enfer, les gars, il fait un peu chaud là-bas. Donc, j'ai pas trop envie d'y aller en fait. Je préfère rester au studio à Webedia. C'est un putain de décor de film d'horreur. Dans la forêt, un max de boubées. De poupées mortes, creepy as fuck. Et en plus, tous les poupées sont chauves. Ce qui rend le truc encore plus creepy. Eh, mais tu m'étonnes qu'il y en a, ils faisaient putain de théorie du complot après ça. Hein. C'est celui d'avoir trop de théorie du complot. Ok, déjà la rue, elle est pas. Mais oui. Mais là, par contre, on dirait vraiment un fantôme, hein. Les gars, on dirait vraiment un fantôme. Un démon sur une bicyclette. Et il y a un deuxième démon qui est dessus, mais c'est un doublé du premier démon. Les gars, là, ça fait peur. Là, c'est creepy. Eh, mais il y en a combien des bails comme ça? Mec! Bah. Oh!
qui vit dans un anneau au fond de la mer. Peuplé, ponche ta mère. Non mais pardon les gars, c'est... Oui je démote, me demandez pas pourquoi. Je pensais au début que c'était juste le cimetière qui faisait peur. Mais en fait, pas du tout. En fait c'est elle. Pourquoi il y a une meuf qui sort d'une tombe? On peut pas faire plus creepy. Là je pense qu'on est bien. Je vois pas ce qu'ils vont trouver pour nous faire encore plus peur. Une preuve que les gens existent. Bah je suis la preuve frère. Je fais 1m90 000. Genre bien sûr que je suis grand. Je suis une carte à 6 élixirs sur Clash Royale. Mais totalement. Je fais beaucoup de dégâts mais je meurs vite. Parce que je fais pas le poids littéralement. Je fais 50 kg, donc Ok là c'est un bail alien. Moi je suis sûr les aliens ils existent hein. Moi je crois aux aliens. Wow. Oh. Petite soucoupe volante. Mais moi je sais pas si j'y crois aux soucoupes volantes. Ça me paraît un peu trop quand même. Genre est-ce que vous croyez aux aliens? D'abord ça va avoir une autre forme de vie quelque part sur Terre. Je pense. La zone 51. Oh là là, je suis dans la sauce. Oh, je suis dans la sauce si vous montrez cette vidéo à quelqu'un. Ouais, il y a un gros point noir. Ça me rappelle juste mon adolescence. J'ai toujours des points noirs. Maintenant, j'en ai dans le dos. Genre, comment t'enlèves les points noirs dans ton dos? Forcément, ça, t'as besoin de l'aide de quelqu'un parce que c'est impossible sinon. L'Artantica. Ouais. Mais là-bas, par contre, les gars, ça fait peur parce qu'il y a personne qui habite là-bas à part l'ours polaire. Hein. Et je pense pas que l'ours polaire s'est frotté le derrière partout dans l'Antarctique juste pour faire des cercles et que ça ressemble à des boules de basket. Les gars, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit l'œuvre d'un ours polaire et de son gros fiacos. Je pense que là, les gars, c'est clairement l'œuvre des Illuminati. Des aliens Illuminati. Non, vraiment, ça fait peur, hein. Moi, je commence pas à genre voir de plus près. Pourquoi il y a cette étrange forme? Mais les gars, c'est pas fini. La plus grande piscine du monde. Ah ouais? C'est que ça, la plus grande piscine du monde? Ah bah après, c'est grand, hein. Mais ça me paraît tout petit. Et en plus, ça sert à quoi d'avoir une piscine? T'as la mer à même pas 5 mètres. Ça, c'est vraiment des problèmes de riches. Créer une piscine alors que tu peux aller à la mer. Tout va bien. Jésus, je t'aime. Ah ouais, dans une forêt nationale en plus aux États-Unis. Il y a marqué Jésus, love you. Mais il y a vraiment 3 personnes qui vont voir ça dans le monde, hein. Parce que les gars, faut vraiment être sur Google Maps, sinon c'est pas possible. Le roi lion. Il y a un gars, il a tondu son gazon tellement bien qu'on voit un lion. Il y en a, ils ont pas beaucoup de temps à perdre. Ils ont tout leur temps, toute leur vie, toute leur âme. Le drapeau de Chypre, mais c'est trop stylé. Mais attends, mais là, ils ont essayé d'en faire plusieurs, je crois, les drapeaux. Mais c'est giga stylé, mais je comprends pas comment ça marche. Un étang de potasse. Genre, ça existe. Ah, mais ça se trouve, on peut y aller. Attends, on va aller voir. Oh non, les gars. Attends, c'est stylé le désert, hein. Oh ouais, c'est magnifique. Les gars, on peut pas voir. Quoi ça? J'avais cru qu'il y avait un truc de ouf, mais en vrai, c'est une branche. Le gars, il commence trop à être paniqué par tout Google Maps. Ah, mais c'est dommage, les gars, on peut pas voir, genre les étangs qui sont là-bas. Mais à ce qui paraît, il y a des étangs comme ça, c'est méga méga stylé. Pourquoi il y a un bateau? Il y a un bateau, il s'est perdu normal. Tout va bien. Il y a un avion qui s'est perdu. Genre, la piste d'atterrissage, il s'est trompé de quelques kilomètres. Du coup, il s'est garé au parc, tranquille. En vrai, je pense que les gens, quand ils créent les bâtiments, ils ne captent pas. Mais quand tu les vois depuis Google Maps, cette forme a une forme toute différente. Imagine les aliens, la première fois qu'ils arrivent sur Terre, ils voient ça. Ils disent, putain, ça va vite ici, hein. People dead underwater. Quoi? Quoi? Non mais les gars, c'est des statues, hein. Que c'est des statues. Non, moi je pense que c'est des statues. Mais c'est méga d'art. Mais d'où, comment tu peux aller sous l'eau avec Google Maps? Je comprends pas. Moi j'ai pas réussi, hein. Oh là là, mais c'est... On est dans un bordel. Ça s'arrête jamais. Là c'est quoi? Mais comment? Genre, en fait, je comprends pas. Genre, t'es là dans la journée, tu t'es chill et tout. Mais comment t'arrives à te déterre pour trouver ce genre de truc grave creepy? Parce que cela prend du temps, hein. Genre, en fait, on a pas réalisé, mais par exemple, trouver ce masque, c'est qu'il fallait qu'il aille sous le pont et tout. Le gars, il doit avoir beaucoup de temps à perdre. Mais c'est très creepy, donc merci beaucoup de nous donner un conseil. Je n'irai jamais sous ce pont. Ok, là, c'est que des maisons qui se ressemblent. On doit être aux États-Unis. Tout a disparu, tout a été rasé. Thanos est passé par là. Tout le monde a déménagé quand ils ont su que j'allais habiter dans le quartier. C'est sûr. Ah mais là il y a une maison en construction. Eh mec, ça devait être creepy là. Toute première maison construite, elle devait vraiment être creepy en plus en plein milieu du désert. Et pourquoi il y a quelqu'un là? Ah ouais, mais là les gars c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est trop pour moi. J'en ai marre. Mais sans vous mentir, c'est incroyablement drôle. Les potes, ce nouveau concept est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas tranquillement à vous abonner à la chaîne. Les gars, ça motive de ouf. Alors n'hésitez pas à vous abonner en masse pour rejoindre la communauté de Raytonia, le Raytonia Gang. N'hésitez pas aussi à lâcher top tes pouces bleus, à me suivre sur les différents réseaux tels que Instagram. Si tu le fais pas, je te jure, je te goume. En plus, t'es BG, alors t'as le droit de me suivre sur Instagram. Hein. Mon compte Insta, il est réservé aux BG. Donc suivez-moi sur Instagram, venez me voir en live sur Twitch ou YouTube. Et surtout, rappelez-vous, fuyez la plupart des endroits que vous avez vu dans cette vidéo-là. Hein. N'y allez jamais. Donc passez une très bonne journée tout le monde, c'était Rayton. Et... Ciao!